La rentrée scolaire. Aujourd'hui, c'est le 7 septembre, la première journée d'école. Mielo, un jeune garçon amical et brave, va à l'école des magies nommée Abbé Landry. Heureusement que ses amis Alex, Maxime et Amélie sont dans sa classe. Arrivé à l'école, le garçon et ses amis se rendent dans la classe à Madame Fernande. Cette classe a quatre murs de couleur bleu ciel brillant et une immense porte violette qui s'ouvre toute seule. Quelques minutes après avoir arrivé, il avait besoin d'aller faire pipi. Alors, Mielo alla se mettre en ligne. Mais la ligne était très longue. Tout à coup, ses pantalons commencent à devenir mouillés. Par la suite, il alla voir dans son magnifique sac volant avec des ailes bleues et vertes s'il avait des vêtements. Par contre, les parents de Mielo avaient oublié de lui donner du linge de rechange. Après, le garçon et Alex vont au secrétariat pour demander à la jolie fée si elle pouvait faire apparaître des pantalons. Malheureusement, la baguette magique de Madame Lucie était brisée. Soudainement, Alex a une extra bonne idée. « Mielo, je pourrais te prêter mes pantalons de rechange !» s'exclama-t-il. Alors, le gentil garçon lui donna ses pantalons et les amis passa une belle première journée à l'école. Pour terminer, Mielo va faire sûr qu'il a du linge de rechange si ça arrive de nouveau.